Il y a quelques années, la police est venue à mon domicile pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils ont conclu un suicide. Je voudrais que vous m'arrêtiez. Pourquoi vous venez précisément ce soir? Et puis bon, après, il était violent, oui. Il me frappait. Mais aussi, pourquoi vous avez épousé un con pareil? Je vais me livrer à la police. Et vos enfants? Parce qu'attention, il n'y a pas que votre vie que vous me livrez, là, et aussi la leur. Non, non, non! Faut encore réfléchir. Ne nous emballons pas. Barrez-vous. J'ai fait des copies de paysages de calendrier de la poste. Les chats aussi, puisqu'il y en a beaucoup sur les calendriers. Mais c'est difficile. Vous avez une idée, lieutenant? Une idée? Pour les poils de chat. Les poils de chat? Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? La prison, ça mérite réflexion. Mais est-ce que vous avez le droit, monsieur, de ne pas m'arrêter? À votre place, je ne me serais pas rendu. Tapez mon nom sur l'ordinateur. Jamais. Je me serais dit, j'ai enfin réussi à me débarrasser de ce con sans me faire choper, c'est très bien comme ça. Vous ne croyez en rien? Quoi? Et ça, c'est qui? C'est Miss Monde? Un quart d'heure de votre vie, madame. C'est comme si j'avais toujours su qu'un jour ou l'autre, j'aurais rendez-vous avec vous.